Est-ce qu'on serait pas dans la partie 2 de l'événement de l'année? Si, si, c'est bien ici. J'ai toujours entendu du positif sur les boîtes à Ibiza et je dois dire que ça nous a pas déçus. On s'en souviendra, ça c'est sûr. Vous avez vu nos bêtises dans la première vidéo et comment dire, on ressort de la première soirée déjà bien fatigué. Pourtant, c'était pas la dernière. Vous l'aurez compris, il nous reste des moments à vivre, donc bienvenue dans mon anniversaire à Ibiza, partie 2. Celle, c'est la seule qui est en mode. En même temps, c'est la seule qui n'est pas sortie donc. Ah oui, on vous a pas dit. Quel choix, oh non, monsieur. Ta gueule. Et celle était malade. J'ai quitté le navire, les gars. Voilà, du coup, elle est fraîche. Ah ouais, c'est la seule meuf fraîche bien, ce matin. Trop bien. David, tu m'as même pas fait mon café pour mon anniversaire. Oh, petit chou, attends, je vais le faire. Deux secondes, je vais me tirer dans la capsule. Ah. Tu mets l'énergie dans la capsule, là, c'est ça. Dans la parfait, parfait. Oh. Ah ça, le bruit dans la vidéo, c'est lié à toi. Hey. Et là, c'était malheureusement le moment des premiers départs, donc Mélissa et Coralie nous quittaient, voilà, donc c'est plutôt très triste. En tout cas, je les remercie évidemment d'avoir été là, hein, et voilà, elles avaient des petits trucs de prévu assez importants, donc elles sont parties avant les autres. On se prépare donc à leur départ et à l'après-midi plage qui nous attend. Regardez, ils rangent. Trop mignon. C'est fou. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Quoi? Il y a Garou qui s'occupe de la vaisselle. Salut! T'as perdu ta voix là, c'est là, chiant un peu, hein! Il y a moi qui mange, c'est toi qui fais la vaisselle de l'anniversaire. Yo! Comment ça va? Ça va super. J'ai 23 ans, je me sens une autre personne. Super! Je te jure. Wow! Vas-y, on fait un message pour Ryan. Ouais, t'es vraiment la meilleure femme du monde. T'es la plus belle, t'es la plus gentille. Forte et bon anniversaire. Bisous! Estelle. Wow. Estelle. I don't speak French, I'm sorry. Donc nous sommes partis sur quelque chose. Au final, quelques personnes se sont rajoutées pour quelque chose de mieux. D'accord. Donc on a reçu l'ancien choix. Mais on l'a forcément, il est arrivé hier à la maison. Donc nous avons décidé, si cela te convient, si cela te plaît plus, d'opter pour le renvoyer et recommander la meilleure chose. Essaye de deviner ce que c'est juste. Ah, vraiment. Ouais. Si, essaye de deviner ce que c'est. J'en ai parlé. Ouais, hier, je l'ai dit là. C'est ta valise en gros. J'en ai beaucoup. Super. Viré. On a la valise. Attends, du coup, je dois deviner. C'est genre un truc électronique ou c'est un truc non, quoi? C'est un peu avant toi. Ah ouais? C'est un truc de mode. Ouais. Genre d'une marque? Pas d'une marque. Bah, en soi, oui. Des dunks? Non? Ah, oui. Putain, oui. Oui. Mais lesquelles? Les vertes. Oh! C'est ça? Oui! Ouais! Alors, tu juges pas, déjà de 1,
De deux, mon cadeau qui était trop drôle, je l'ai pas reçu, du coup c'est nul. Est-ce que je le dis ou pas, mon cadeau drôle? Non, attends qu'elle reçoive. Non, tu le recevras chez toi, tu prendras une photo avec. Parce qu'en vrai, il est hilarant. Du coup, bah, tu vas trop aimer. Et puis voilà quoi. Bon anniversaire. Merci. Je suis sûre que tu sais déjà ce que c'est. Pas du tout. Ah, c'est une tasse. Oui. Ouais, je vais avoir mon café. C'est une tasse trop stylée. Ouais. Wow. Wow. Ah, j'adore. Je suis jalouse, dedans, elles sont incroyables. Elles sont trop belles. C'est pour les cafés triple shot là, c'est ça? Ah, j'adore. Ok, parfait. J'adore. Merci. Ouais. Tu boiras dedans et tu me t'accordes une story. Je pense ouais. que je me suis... j'ai ouais. pas fait d'erreur à mon avis. Ah, j'espère. Vous savez, j'ai vraiment aucune idée. J'ai même acheté le papier. Ouais, tiens, c'est pour Clément. J'adore. À la collection avec Harry Styles. Ah, j'adore. Par contre, faut aller là. Ferme les yeux. Ok, déjà c'est le starter pack d'une bad bitch qui va à la plage. Ok, lève tes pieds. Non, là par contre je sais pas du tout ce qu'elle va faire. Ça va, c'est la bonne taille en vrai. Ça me stresse. Ah ouais, non, oui. Attends. Non, oui. Et là t'es parfaite. Vas-y. Il est trop beau en vrai. C'est ok, il reste. Ah non, j'adore. C'est vrai. Ah, j'adore les chaussures. C'est avec mon vernis. Ah, j'adore. C'est sur moi, non? Oui. C'est très toi. Waouh. Wow. Ah, j'adore, merci. Je reste comme ça. Voilà. Ok, alors j'ai un cadeau. Ouais. Déjà, c'est ça. C'est bien, c'est ça. Merci. Dans ton sac et ça. Comme t'aimes les chaussettes. Oh. Merci. 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 Bon, bah du coup, t'as pas un cadeau. Oui. Non, mais ça me fait plaisir. T'es heureuse? Oui. Très heureuse? Oui. Ça fait quoi d'avoir 23 ans? Ça fait. Je me sens une nouvelle personne. Là, je me sens accomplie. Est-ce que t'es contente d'être avec tous tes copains? Je suis trop contente. Est-ce que tu t'as. Je pense que vous êtes pas trop mal. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Okay. J'espère que ça va continuer comme ça. Ça va, y'a pire qu'en fait. Gros plan sur les seins. Wow. On va faire du shopping comme si j'avais pas assez dépensé d'argent comme ça. En fait, je vais acheter du coup ce qu'il y avait dans ma valise. Ce que vous n'avez pas suivi. D'ailleurs, potentiellement, je n'ai plus de vie parce que je n'ai plus de valise. Et ma vie est dans ma valise. C'est pas grave, hein, y a pire dans la vie. On est heureux, on est à Ibiza, tout va bien, il fait chaud, il fait beau. C'est ton entrée ou un enfer en fait. C'est les chaussures que tu portes quand tu arrives en enfer. Je suis en train de poster mes stories pour 4 heures après. Le job ne s'arrête jamais. Donc là, pas des méchés, moi j'ai besoin de mon café. Moi j'ai chez Zara. Et moi un petit matcha. On dirait des Marseillais à Ibiza. Mais vraiment. Top Girl Summer avec leur latte. Vraiment, mais. Sharpie Mood. Sharpie Mood. On en a fabulous. Ok. Ok, Davy. Non, en vrai, il est trop bon, je suis refaite. Vraiment, mais. Café latte à d'avoine. En Europe, depuis que je suis là, c'est le meilleur café que j'ai bu. Sérieux? Bah, en France, c'est le Babur Café aussi bon. À Paris, il y en a trop. Ah ouais? Bah, non, je suis pas allée à Paris, excuse-moi. Alors là, par contre, on est sur un mousse. Je crois que cette meuf n'aime pas trop le rose. Moi, il te mange juste ton petit cagole rose là. Ton petit sac à gauche de Balenciaga rose. Et vraiment. Mais... Ça y est, les influenceuses sont contentes. Alors vraiment, quoi. En Françoise Café, il est bon le café? Non mais là, de toute façon, j'ai plus de place dans ma valise. Ouais, très bon. Franchement, un petit 9 sur 10. On n'a pas fait de récap. À combien la soirée d'hier? Franchement, mais tu sais que moi, je suis pas amusée comme ça depuis très longtemps. Franchement, 11 sur 10. Ouais, c'était compliqué. Ouais, ça va, ok, on s'entend. C'est la compliquée en plus. Non. Très bien et bizarre. Ah ouais. Ouais, y'a que nous qui sommes interviewés. Ouais, pourquoi c'est que nous, genre vraiment bah, parce nous. Parce que c'est ta chaîne. Ah, enfin, y'a pas que moi dans les vidéos quand même. Moi, c'est une des meilleures soirées que j'ai fait ma vie. Ah, oh, c'est vrai? Bah ouais. Pierre, combien sur 10? Rihanna qui arrive. 12. Putain, il a mis plus que moi. Y'a Rihanna qui arrive. Filmez Rihanna quoi. Rihanna, combien sur 10 la soirée? 11. Y'a eu aucun. Ah, t'as dit qu'à moi? C'est vrai? Oui. Ah, Léna. Léna, combien la soirée d'hier? 8. Wouah! Pourquoi, c'est violent, il... Hein, pourquoi il manque de reggae donc à jamais trop chaud, trop de monde, c'est pas vous le problème, c'est eux. Trop de reggaeton, vous connaissez pas les paroles. Ok. Mais voilà. Oui, c'est fermé. Ça a l'air. Attends, je suis trop triste. Elle vous laisse le sac. Oh là là. Par contre, c'est très moins. Ah, triste. Saut des vies quoi. Allez. C'est quoi ce vin là? J'ai pas signé pour ça moi. Ah, vous êtes trop beau. Waouh. Wow. Bonjour.
amis, genre Jeannette. Si, grave. La première fois en Espagne. Il manque plus que des. Les bigoudis. Des bigoudis, voilà. Ouais, je pense qu'il manque ça. Mais écoute, cet après-midi, on patauge. J'apprends à nager pour le cours des 70 ans et plus. Et voilà quoi. Mais je chill un peu avec les jeunes. Ah, avec Transavia, c'est un plaisir. À la recherche de la valise perdue. Mais j'aime bien le mood avec lequel on gère les problèmes. Ouais, okay. Je pense que c'est ma musique la plus écoutée ces trois dernières années. Salut quand même Clem. Ça se voit que t'as envie de parler à la caméra. Ouais, de ouf, mais en même temps, j'aime ça quoi. Mais t'as trop de trucs à raconter en plus, ta vie elle est trop cool. Bof. Puis t'es vraiment une meuf marrante. Des trucs, c'est gentil ça, parce que j'ai pas l'impression d'être marrant quoi. Est-ce que tu trouves que t'es une bonne youtubeuse? Bof. Je suis pas assez ambiguë. Je suis pas assez assidue. T'es méchante avec toi-même. Pour moi, t'es ma youtubeuse préférée. Il l'a dit aussi il y a deux mois. C'est pas vrai. Je me suis cognée sur un petit rocher dans la mer et du coup, j'ai un petit coin de sang. Voilà. Et quand on cherche, on trouve. Aïe. 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 One eternity later. Please spend less time. Ça commence. Il y a 0 g d'alcool, mais ça commence quand même. Ça va pas du tout avec la famille. Ouais. La petite princesse, quoi. Qui fait des fakes. T'as pas vu le personnage. T'as même pas présenté ta tenue. Waouh. Voilà. Je suis rien de la soirée, je me souviens. Bah oui, évidemment. Avec des paillettes. Voilà là. Incroyable. Merci la vie des paillettes, regarde. Loa, tu vas trop bien te croire. We spent last summer. We spent last summer so differently. Tell me you're ready. Tell me you're ready to walk away. Joyeux anniversaire à la famille. Joyeux anniversaire. Souffle. Le vœu. Elle a toussé sur le gâteau là. Vous allez voir la vraie Devi. Je t'avais déjà demandé l'assiette, non? Alors, tu prends cela? Mais avec grand plaisir, je pense que c'est les plus belles. Allez, combien? 9 assiettes, 9 assiettes. Ça suffit, on partage pas 9 assiettes. Oh merde! C'est mal, hein? 9 assiettes, j'ai niqué la porte. Oh non, mais je suis pas riche, moi. Je peux pas payer la poste. Ah non! C'est sous contrôle. Ah non, mais c'est totalement sous contrôle. Je suis portugaise, je répare tout, moi. C'est très fort, hein. C'est non, très, je très regarde, fort. Je leur demande, c'est genre. Oh ouais. C'est cassé, mais je sais pas comment. Incroyable. Allez. Voilà. Hier, on était un peu tôt. Était... Comment elle fait genre de rien, quoi. J'ai oublié mon verre de vin. Je fais trop genre de rien, là. Ah non, mais moi, je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé dans la vie. Cette vie-là. Pardon. Viens, on fait un truc où on bouge tout. Hé, regardez, moi et tous mes potes. Je les ai même pas payés. On remercie tous Devi pour cette intervention de la plus haute importance. Et donc après ça, on a décidé de faire un pour combien. Voilà, donc petit jeu très marrant, vous allez voir. Je vous laisse avec la suite. Ok. Les règles sont simples. En gros... Laissez Patrick parler, s'il vous plaît. Je dis, je n'ai jamais fait ceci, et si vous avez déjà, on boit. Ok, non, si tu l'as fait, tu bois. Si tu l'as fait, tu bois, c'est une fin d'histoire. Ouais, c'est le je n'ai jamais. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel dans une place publique. Et si on a déjà fait, on boit. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est silencieux, du coup, c'est marrant. J'entends siroter. Tout le monde a bu, sérieux. Je vraiment des crasseux. Antoine l'a pas bu. Antoine, t'es parti des gens propres. Bravo, Antoine. Bravo.
Je me suis jamais trompé de personne en envoyant un nude ou un, wow. Ou un sexto. Non, Alaya, 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 Alaya. Ouais, quand on est tout seul, on doit raconter l'histoire. Tout seul, on et bah quand on est tout seul et deux. Ouais, tout seul. N'importe quoi. Non, mais moi, ça fait super longtemps, j'avais 17 ans. Mais j'entends qui tourne à roue. C'était qui, moi? Non, genre, en gros, il avait le même prénom, mais c'était pas du tout lui, quoi. Putain. Il va être content, l'autre. Il a dit quoi? Je sais plus, frère. Je sais plus, mais ça fait vraiment longtemps, quoi. C'est pas mal. On est dans un film, genre, c'est les mignons, là, genre. Ok, prochaine. Je me suis jamais trompé de prénom au lit. Ah, quoi? Il a dit quoi? J'ai pensé à la scène en fait, et que du coup ça m'a fait rire. C'était avec. Il a appelé par un prénom qui n'était pas le sien, quoi. J'ai une question, il a dit quoi? C'est pas. Ouais, faut tout arrêter, quoi. Genre, c'était vraiment grosse scène, tu vois. En mode. Ouais, comment ça? Super gênant, ouais, voilà. Très gênant. Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, voilà. Ok, next. Je n'ai jamais eu de plan cul. C'est fou ça. Attends, moi j'ai d'abord. Ah, on est tout seul en fait. Attends, personne là, y'a que nous? Ouais. Bah, punaise. Non, j'ai vu. Non, mais les mecs, c'est pas comme ça. Les mecs, non, mais c'est bon, moi j'ai vu. Ok, next. Je n'ai jamais fait de plan à 3. Ah, alors il y a deux cousins et qui présentent. Ouais, c'est la première. Je pense que je vais pas beaucoup boire aujourd'hui. Ouais. Je n'ai jamais envoyé le selfie sexy. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle dans la mer ou dans une piscine ou un truc en eau, quoi. Ah, c'est vraiment de la merde, mais je bois quand même, mais c'est vraiment nul. Hein. On est tous d'accord que c'est nul. Ah, l'horreur, genre. Ah, mais tu as bu? Oui. On a tous. Non, t'as jamais pris en bord de mer, genre. Non. T'as jamais pris en bord de mer, genre. En bord de mer, en bord de mer. Je n'ai jamais eu de one night stand. Oh là là. De. Ouais, mais faut bourrer à chaque question. Par contre, je bois trop là. Moi, je peux juste skipper cette gorgée. Non. Je skip parce que là, non, je skip pas du tout. Je vais vomir sur Clem en fait. Ah oui, ça a pu être. Je n'ai jamais fake d'orgasme. C'est impossible, débile. Bah, moi j'ai vu. Ouais. Du coup, ça serait. Ouais, ce serait bizarre, vous, non? Vous avez vu? Si, en plus, je suis sûr que si. Ah, moi j'ai jamais. Non, bah je fais mais pas. Je finis pas, quoi. Bah si, ouais. Attendez, on a une story time. Vas-y, story time. Hier soir, on rentre de soirée à 5h. Pierre, il touche une. Pardon, non. Pierre est sur le canapé. On va dire qu'il a passé une très bonne soirée. Il se relève et là, il trouve un petit carré un peu genre aluminium sur le canapé. Sensation de ne rien porter. Non, mais ça veut dire quand même que le mec qui est préparé pour aller en soirée. Et là, il avait 5 cartes dans la poche. Il avait juste une chemise et un pantalon. Ouais, il a raison, il faut sortir couvert. Voilà, merci. Je n'ai jamais sucé les orteils de mon partenaire. Ah, ça me dégoûte. Pas. Non, Devine, non, Devine, non, Devine, non, Devine. Je vous jure que non. Non. Et voilà, on savait. Mais arrête. Mais pour rigoler, vous avez jamais fait ça. C'est pas drôle. Mais non, Clément, il n'y a pas un truc de positif. Non, par contre, j'ai pas du tout sucé les orteils de quelqu'un, c'est pour. Prochaine. Oui. Est-ce que vous avez déjà embrassé plus d'une personne en un jour? Quand même. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour avec plus d'une personne en un jour? Allez, Clément, n'hésite pas à avoir 3 d'entrée, Pierre aussi. Putain, il y en a, elles se les enchaînent. Non. Non, mais... Est-ce que vous avez déjà couché avec quelqu'un dont vous ne connaissiez pas le nom? Oh, putain, mais... Oh, les coquines. Tu descends ton verre à une vitesse. Est-ce que vous avez déjà utilisé des monades ou something similar? Oh, j'en ai marre de boire, je peux pas. Je sirote, allez. C'est quoi something similar? Ou des... BDSM, quoi. Oh, mais les gars, franchement, les menottes, faites pas... Voilà, merci. Non, les menottes, j'ai jamais fait. Non, mais... Non, mais genre des straps. Attends, je change de site. Non, j'ai jamais couché avec quelqu'un sur une dating app. Mais ça c'est trop Non, moi on l'a fait non? Ah non? Non. Ah bah moi mon mec j'ai jamais eu un date avec un site de jamais. Ça me je peux pas, ça me stresse. Je n'ai jamais couché avec quelqu'un dans le premier date. Le premier soir. J'ai parlé de... Non mais c'est trop des trucs... Je sais, je fais sûr. Sûrement de boire. Bah moi il avait pas de capote alors non. Mais non. Oh la coquine. Oh putain, Léa, j'ai ma tête comme toi. Ah ouais, de ouf. Ouais, moi aussi. On échange. Non, par contre, après c'est bien de se faire dépister, les gars. Hyper important. Ouais. C'est clair, on a tous les 3 ans. Là tu mettrais une petite voix off, les amis. Ah oui. L'abus de sexe est dangereux pour la santé. L'abus de sexe est dangereux. Ça c'est pas vrai. Qu'est-ce qui vous excite sexuellement? Sexuellement parlant. Jean-Luc Reichmann, le bordel. La question. La question. Non mais c'est trop ouvert comme question ça. Mais oui, ouais, c'est pas assez ciblé. C'est trop large. Mais c'est bon, ça va être créatif.
C'est donc sur ces belles images que s'achève un voyage juste inoubliable. Je me sens très chanceuse et reconnaissante pour toutes les personnes qui étaient présentes durant ce séjour. Merci à elles d'avoir rendu ces moments si spéciaux et inoubliables. Et merci à vous d'être là et de continuer à me soutenir chaque jour. Et évidemment, on se donne rendez-vous l'année prochaine.